Un groupe d'enfants jouant dans un caniveau a découvert ce samedi 25 septembre 2021 le corps sans vie d'un nouveau-né au quartier Chimamuka vers l'église Armée du Salut. Selon les populations, le corps du bébé aurait été jeté dans la nuit de vendredi à samedi. Les éléments de police se sont rendus sur les lieux. Après analyse médicale, le corps sans vie du bébé a été déposé à la morgue pour les nécessités de l'enquête. Un peu plus tard, vers midi, la police a mis la main sur la maman du bébé. Toujours ce samedi, à Vungu, un agent de la Société Énergie Électrique du Congo EKRC qui procédait à la coupure de l'électricité sur un poteau déjà endommagé au pied, s'est retrouvé patatras au sol. Il a été acheminé à l'hôpital dans un taxi par ses deux collègues avec des fractures à la jambe gauche et au bras droit.